Bonsoir, bonsoir la famille. C'est comment? J'espère que vous allez bien. Ouais, salut la famille. Bon, moi, je vais pas attendre longtemps pour dire ce pourquoi je suis venu faire ce direct. Habituellement, quand je fais mon direct, c'est pour taquiner, c'est pour rigoler. Mais il y a des moments aussi où il faut prendre les choses au sérieux et mettre les amusements de côté. C'est important. D'accord. Et ce direct que je fais aujourd'hui, c'est pour me prononcer au fait sur cette histoire de FIF. J'avais fait déjà deux vidéos et sur la première, je défendais mes grands frères, c'est-à-dire Didier, les deux Didier et le vieux père Kalou Bonaventure. Je les défendais parce que je voyais des internautes les insulter, parce qu'ils n'étaient pas du même avis, ils n'étaient pas du même côté. D'accord? Et moi, j'ai dit comme ça, on peut être amis, mais ne pas faire partie ne pas être du même bord, en fait. D'accord? Et chacun a son choix, il n'y a pas de souci. Donc, il n'y a pas question d'insulter parce que l'autre ne soutient pas l'autre. C'est ce que j'avais dit. Et il y a eu ce qui s'est passé. Pour mes grands frères, on m'a insulté comme d'habitude, mais voilà, je suis maintenant habitué. D'accord? Et je me rappelle, dans ma deuxième vidéo, j'ai dit, on ne va pas m'obliger à dire ce que j'ai pas envie de dire. D'accord? Donc, si, seulement si, il y a le besoin de parler, je vais parler. Si je pense que c'est le moment de dire quelque chose, je vais dire ce que je pense. J'ai toujours dit ça. Et aujourd'hui, je pense que j'ai quelque chose à dire. Ça va peut-être pas changer les choses, mais c'est très important. Parce que moi, je suis pas un suiveur, non. J'ai jamais été un suiveur et ceux avec qui j'ai joué, et les grands frères qui m'ont connu, ils savent très bien quel genre de personne je suis. J'aime rigoler, j'aime taquiner, mais j'ai mon caractère propre à moi. C'est vrai, je suis sensible, je suis tout, il n'y a pas de problème. Mais je dis surtout ce que je pense. Parce que quand je ne dis pas ce que je pense, je ne suis pas bien. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour m'adresser à la fille. D'accord? Mais je sais que ça va choquer personne parce que je pense que la fille travaille pour les joueurs. D'accord. Et moi, personnellement, étant en équipe nationale, étant capitaine de l'équipe nationale, la fille, à chaque fois qu'on était au regroupement à Abidjan pour l'équipe nationale, il venait demander audience pour discuter avec nous, nous faire payer des cotisations. En nous disant que c'est pour soutenir nos frères qui évoluent en Côte d'Ivoire. Chose que tout le monde a vraiment appréciée. On a même acheté des cartes d'adhésion. Donc, du coup, c'est comme une famille, d'accord? Et la fille, si je comprends bien, appartient aux joueurs. Du moment où la fille appartient aux joueurs, la fille doit défendre les joueurs. D'accord? Et quand le grand frère Cyril Domoro, que je salue ici au passage, avec tout le respect que je te dois, grand frère, franchement, je pense que vous avez déconné. J'ai dit ton nom parce que c'est toi qui es au devant. C'est toi qui es au devant des choses, c'est toi qu'on connaît. À chaque fois, quand vous venez nous rendre visite à l'hôtel, tu étais toujours au devant. C'est vrai, il y avait les autres grands frères avec toi, mais aujourd'hui, c'est toi qu'on connaît. D'accord? Donc, je ne comprends pas une chose, au fait. Ce que je ne comprends pas. Didier Drogba, c'est un joueur. C'est un ancien joueur, disons. Tout comme vous. D'accord?
Et ce que je ne comprends pas, moi, pourquoi vous n'avez pas donné le parrainage à Didier Drogba? Je ne dis pas pourquoi vous ne le soutenez pas. Hein? Je ne dis pas pourquoi vous n'êtes pas d'accord avec son projet. Je ne dis pas pourquoi vous ne faites pas des photos avec lui pour battre sa campagne. Je ne vous dis pas ça. Ça, c'est votre choix. Il n'y a pas de problème. Vous êtes libre de le suivre ou de ne pas le suivre. Ça, il n'y a pas de souci. Mais la fille, là, ça appartient au joueur. Et j'ai suivi les choses de loin. J'avais besoin de voir tout avant de parler au fait. Et quand j'ai dit j'ai suivi les choses de loin, j'ai vu des vidéos de mes frères, de mes jeunes frères en Côte d'Ivoire, les footballeurs qui évoluent en Côte d'Ivoire, venir au siège de la fille pour dire qu'ils ne sont pas d'accord par rapport au choix que la fille a fait. À la fin, moi j'ai une question. La fille, est-ce que c'est votre business ou bien la fille appartient au joueur? Parce que si vous n'êtes pas d'accord avec le projet de Didier, ça c'est votre avis, il n'y a pas de souci. Mais ce n'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord que tous les joueurs que vous êtes censés défendre ne sont pas d'accord. Et ce n'est pas forcément vous, vos idées que tout le monde doit suivre. Je peux accepter que vous ne le soutenez pas. C'est votre choix. Mais de là, laisser Didier Drogba et prendre le parrainage, aller donner à une autre personne qui, de surcroît, ne fait pas partie de l'association. Et, à mon sens, je ne sais pas son histoire, mais je ne pense pas qu'il ait joué au foot. Il n'est pas concerné par la fille. C'est choquant. Grand frère, excuse-moi. Je t'ai toujours respecté, hein, tu sais très bien. Quand je te vois, ah, Capi, je te salue, je te respecte et tout. Mais vieux père, là, je ne suis pas d'accord avec toi. Si tu as un problème, peut-être de personne avec Didier, ou bien si tu n'es pas d'accord avec son projet, même si vous êtes 20, que vous n'êtes pas d'accord avec son projet, nous autres que vous venez voir à l'hôtel, là, posez-vous des questions. Ce n'est pas votre bureau là seulement, parce que vous avez un bureau. Donc, ce que vous décidez, nous, on va vous suivre. Nous ne sommes pas des moutons, je suis désolé. Non. Je vous avais dit, la dernière fois que je suis venu parler, j'étais impartial. Je n'étais pas venu pour dire, allez-y ici, mais allez là. J'ai dit, ah, les gars, arrêtez d'insulter mes grands frères là, voilà, voilà et tout. Les gens ont mal pris parce que je venais vous défendre. Mais quand je venais parler là, ce n'est pas parce que j'étais contre Didier ou j'étais contre Maestro, mais j'étais contre Kalou. D'accord? Pour moi, c'était du genre, vous êtes dans un game, je ne sais pas. Donc, Didier, vous ne le soutenez pas. Son projet ne vous sied pas. Il n'y a pas de souci. Mais la fille, là, la fille, on ne doit même pas vous dire, est-ce que vous allez donner à Didier? C'est impossible. Vous ne pouvez pas laisser Didier qui est un joueur, qui a été joueur, et qui, de surcroît, a fait partie de votre... Et vous, excusez-moi, grand frère, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Que Didier, il n'est pas venu vous dire qu'il allait se présenter. Il n'est pas proche de vous. Il n'est pas ceci, il n'est pas cela. Moi, j'ai une question à vous poser, au fait. Donc, tous les joueurs que vous venez voir, qui cotisent souvent, là, le jour, eux, ils veulent se présenter, là. C'est-à-dire, eux, leur projet, là. C'est-à-dire, matin, midi, soir, ils doivent vous appeler, ils doivent venir vous voir, vous lécher les bottes avant que vous ne les soutenez, quoi. Non? Parce que l'association là, appartient aux joueurs. C'est de ça qu'il s'agit. S'il n'y a pas de joueurs qui se présentent, il n'y a pas de souci. Prenez, allez-y, donnez à qui vous voulez. Et moi, aujourd'hui, j'ai honte parce que j'ai un de mes coéquipiers qui m'a demandé, ah, j'ai vu sur Facebook là, Didier, il veut se présenter pour la présidence de la FIFA, pour l'évolution du football et tout, mais ils l'ont refoulé. Même sa candidature, il n'a pas pu la poser. Ça fait honte. Ça fait honte. Une chose est de lui donner le truc. Après, si vous ne le votez pas, il y a foi. Ne le votez pas. Vous finissez de lui donner même, d'accord? Comment on appelle ça déjà? Tellement l'émotion me prend. Ouais, je ne peux pas répondre, au message maintenant. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. D'accord? Pour ne pas que je perde le fil. D'accord? Vous lui donnez le parrainage. Ce qui lui revient de droit,
Parce que la fille là, c'est pas votre société. Je suis désolé. La fille là, c'est pas votre truc que vous prenez, c'est à vous, vous faites ce que vous voulez. Non, c'est pas pour vous. Vous travaillez pour des joueurs. Et jusqu'à preuve du contraire aussi, les joueurs qui sont allés marcher, ils sont venus à votre bureau pour vous dire qu'ils sont pas d'accord par rapport à votre choix. Ils disent qu'ils sont pas d'accord par rapport à votre choix. J'ai pas vu d'autres joueurs venir dire que les joueurs qui sont venus là, nous on n'est pas avec eux. Votre choix là, c'est notre choix. Donc ça veut dire que vous devez réfléchir pour vous dire que, ah, attention, ça ne nous appartient pas. Et ces joueurs aujourd'hui qui sont venus, qui se sont affichés sur Facebook, qui n'étaient pas d'accord avec votre décision, c'est quoi leur avenir demain? Comment vous allez les défendre demain? Parce que c'est sûr, ils se sont affichés. Demain, peut-être, ils n'auront plus de club. Peut-être, ils seront boycottés. Mais vous défendez qui à la fin? C'est mieux, dites-nous que c'est votre business et on n'en parle plus. C'est votre business. Vous donnez au plus offrant et puis on n'en parle plus. Parce que je ne peux pas accepter que... Toi-même, vieux père Cyril, mets-toi à la place de Didier. Ça fait honte. Ça fait vraiment honte. C'est-à-dire que toi, tu viens, tu fais partie d'une association et même s'il n'était pas dans le bureau même là, Didier a fait beaucoup pour le football. Et du moment où la fille appartient au footballeur, quel que soit ce qui va se passer, quel que soit le comportement de Didier, vous devez le faire asseoir et puis lui dire les choses. Mais pas lui retirer le parrainage, c'est impossible. Je suis désolé, le monsieur à qui vous êtes allé donner là, j'ai aucun problème avec lui. Je ne le connais pas. J'ai entendu parler de lui, je le respecte, il n'y a pas de souci. Mais je ne pense pas que lui mérite le parrainage là que Didier. Vous, vous êtes basé sur quoi? C'est quoi vos raids? C'est quoi vos raisons? Et j'ai suivi un peu de loin. Quand on vous pose les questions sur les plateaux et tout, non, désolé, c'est notre choix. Notre là, c'est toi et puis qui? Weber, c'est notre choix. Toi et puis qui? Donc la vie, c'est devenu votre société. Dites-nous, comme ça, on ne parle plus. Comme ça, on ne parle plus. Comme ça, vous faites ce que vous voulez, c'est tranquille. Mais ce que vous avez fait à Didier, là, on ne fait pas ça à quelqu'un. Je ne sais pas ce qu'il vous a fait. Hein. Je ne sais pas. Vieux père Cyril, je ne sais pas ce qu'il t'a fait. Mais franchement, ça fait honte. Ça ne se fait pas. Et qu'aujourd'hui, j'ai vu sur Facebook, c'est les arbitres qui vont parrainer Didier. Quelqu'un avec qui vous avez joué. Quelqu'un qui marquait des buts. Quelqu'un qui a représenté le pays. Aujourd'hui, ils vont écrire dans les journaux que c'est les arbitres qui lui donnent le parrainage. C'est quelle honte, ça. C'est quelle honte, ça. Mais la roue tourne. Hein? Quand tu te baisses pour y aller dans l'anus de quelqu'un, là, il y a quelqu'un qui a préparé lance-pierre. Il regarde pour toi. Parce que ce que vous avez fait là, excusez-moi, c'est un manque de respect total. Et même pour nous autres. Mon ventre n'est pas valise. Ma même gueule, j'ai pris pour vous dire, il ne faut pas, les gens vont vous insulter. Et puis, on m'a insulté là. C'est la même chose que j'ai pris pour venir vous dire, vous avez déconné. Aïe. Vous avez déconné. Si vous avez un problème personnel avec lui, réglez ça avec lui. Il n'y a pas de problème. Mais pour l'heure, là, la fille, là, il n'y a pas quelqu'un qui mérite le parrainage de la fille que Didier Drogba. Quand même, les vieux pères, faites les choses bien. Même si vous voulez tuer quelqu'un, là, faites semblant quand même. Vous ne pouvez pas faire les choses bec-bec comme ça et puis genre, ça ne va pas quelque part. Mais aujourd'hui, nous sommes ici. Franchement, c'est une honte. Parce que quand mon ami m'a dit ça, ça m'a fait bizarre. Ça m'a fait vraiment bizarre. Mais il n'est jamais trop tard. Comme j'ai dit, vous pouvez lui donner le parrainage. Là. Allez-y derrière vos candidats que vous voyez que genre là. Gérez avec eux, il n'y a pas de problème. Moi, là, je n'ai pas de candidat. Mais la fille seulement là. Pour la fille, là, je vais parler. Parce que moi-même, j'ai cotisé. J'ai donné mon jeton. Vous savez ça? Oh bien. Donc, j'ai donné mon jeton, là. C'est ce qu'on appelle crédit de ça, là. J'ai en train de parler. Parce que j'ai le droit de parler. D'accord? Et j'ai mal pour mes frères, mes jeunes frères qui sont venus manifester. D'accord? Une chose est de le combattre. Allez-y le combattre ailleurs. Mais la fille, là, ça appartient à Didier. Ça m'appartient. Ça appartient à nos jeunes footballeurs qui sont au pays. Ça appartient à tous les joueurs de la Côte d'Ivoire.
quel que soit leur niveau, quel que soit le championnat où ils sont, ça leur appartient. Mais ça n'appartient pas à Cyril Domoro. Viens, père, ce n'est pas pour toi. Toi et ton bureau, là, ce n'est pas pour vous. Ce n'est pas pour vous, viens, père. En tout cas, revoyez-vous. Hein. Revoyez-vous. Souvent, il y a des situations, on peut régler ça calmement, mais vous cherchez toujours à faire des choses pour qu'on dise que, ouais, tel est comme ci, tel est comme ça. Parce que ce que vous êtes en train de faire là, ça fait réfléchir. Des gens qui ne sont jamais venus dans les vestiaires de l'équipe nationale, ils se posent des questions. Il se passe quoi? Pourquoi c'est comme ci? Pourquoi c'est comme ça? Même moi-même qui n'ai pas de problème avec Didier, les gens pensaient que Didier, moi, il y a des problèmes. Pendant que j'ai fait ma vidéo, quand les gens parlaient, j'ai eu Didier au téléphone, on a parlé. Il rigolait même de ça. Parce qu'il sait que je ne peux, pas le vilipender. Maestro sait que je ne peux pas le vilipender. Kalou sait que je ne peux pas le vilipender. Toi-même, le vieux père Cyril, tu sais que je ne peux pas te parler mal. Je te respecte tellement. Mais là, tu as zaï même. Parce que ce n'est pas toi ta décision qui est pour nous tous. Si j'étais encore en équipe nationale, là, si vous venez, il va vous chasser. Afila, si j'étais encore en équipe nationale, si j'en vous venez là, je vais vous dire, retournez, vous êtes quittés. Parce qu'on ne reconnaît pas ça. C'est une société que vous avez créée, dont vous décidez de ce que vous voulez, parce que quelqu'un ne vous appelle pas. Mais s'il ne vous appelle pas, peut-être il appelle les autres, je ne sais pas. Il cause avec les joueurs qui en ont besoin. Vous avez joué ensemble. S'il ne vous appelle pas, vous appelez-le. Vous pouvez régler ça. Mais ce n'est pas parce que le gars n'assiste pas à des réunions, d'après ce que vous dites, hein, il ne vous appelle pas. Pourtant, on voit des photos où il est avec vous à son anniversaire. On voit des... Non, il faut arrêter. S'il ne vous appelle pas, appelez-le. Et d'aucun d'entre vous, c'est votre petit frère ou bien c'est votre grand frère. Dites-lui les choses. Ah, petit, la main, tu fais, on ne fait pas comme ça. Fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. C'est comme ça qu'on peut avancer dans ce pays-là. Ce n'est pas dès que quelqu'un déconne, vous prenez des décisions parce qu'il a déconné. Donc, on va lui faire ça aussi. Comme ça, c'est quoi ça? On n'avance jamais. C'est impossible. Il ne vient pas aux réunions. Combien de fois vous l'avez appelé pour dire viens à la réunion? Ou bien combien de fois Didier à Abidjan, vous êtes allé le voir pour dire viens? Tout n'est pas question de grandeur. Un grand frère, il peut ramener son petit frère à la raison. Le petit aussi peut ramener le grand frère à la raison. Tu lui dis les choses, mais tu fais les choses comme il faut. Parce que ce que tu as fait là, ce que vous avez fait, toi et ton bureau là, c'est un manque de respect vis-à-vis de nous autres même. Donc si j'étais encore en équipe nationale, si vous venez, moi je vais dire à mes petits là, il n'y a pas de réunion. Parce que souvent là, on veut faire la sieste, on est fatigué, on a match. Mais vous venez, vous managez et tout, on vous donne la salle, j'appelle les petits, ils viennent, on vous écoute, vous parlez de cotisation, on paye, d'autres payent même plus pour soutenir, qu'on appelle la fille. On pensait que c'était pour nos jeunes frères. Mais aujourd'hui, on a constaté que nos jeunes frères ne sont pas d'accord avec vous, ils sont allés au siège, mais vous ne les avez même pas calculés. Donc, vous travaillez pour vous-même. C'est votre business. La fille, là, c'est votre business. Dites-le. Comme ça, personne ne va vous emmerder. On va créer un autre mouvement pour les joueurs. On va créer un autre mouvement. Parce que ce que vous êtes dedans, là, c'est vous seulement qui voyez. Je ne vais pas être long. Parce que si, peut-être, je reste là à parler, je vais m'énerver. Peut-être, je vais dire un mot déplacé. Ou bien, je vais dire quelque chose qui va vous blesser, vous allez dire, le petit frère, il nous a manqué de respect. Je ne suis pas venu là pour vous manquer de respect, je suis venu vous dire ce qui est dans mon cœur. Comme avant de prendre la décision, vous êtes consulté à 3 ou à 4 ou à 5 là-bas, vous avez décidé. Moi aussi, je vous dis que nous autres là, nous sommes là. Parce que quand c'est pour cotiser là, vous venez. Ou bien quand vous avez des réunions, vous avez des projets, vous venez. D'accord? Et vous venez au nom des joueurs qui sont à Abidjan. Maintenant, pour prendre des décisions là, la moindre des choses, réunir quand même les deux capitaines ou les trois capitaines de chaque équipe, discuter avec eux, ça s'appelle le respect. Parce que vous dites que c'est pour eux que vous travaillez. Mais là, vous-même, vous avez mis votre visage là, à découvert aujourd'hui. Et je vais vous dire une chose, les joueurs qui se sont portés garants, qui sont venus à vos sièges là, de toute façon, quel que soit ce qui va se passer, si ils n'ont plus de club, franchement, vous aurez ça sur votre conscience. Parce que vous travaillez pour vous. C'est votre business. Donc, arrêtez de fatiguer les gens comme quoi, Afi, Afi, Afi. Je suis désolé. Donc, à un moment donné, le vieux père, on n'a qu'à s'y respecter. Didier, là, vous pouvez lui reprocher tout, mais c'est une icône. Et vous le savez, je n'ai pas besoin de le dire. C'est quelqu'un quand même
qui est respecté un peu partout. Jusqu'à mon ami blanc me dit, comment ça se fait que tu entends? Tu sais même pas ce que je vais lui dire. Tellement j'avais honte. Il faut arrêter les bébés. Faisons les choses comme il faut. Faisons les choses comme... Vous avez vos problèmes de personnes, ou bien il y a des trucs, vos petites frustrations là. Nous, on ne vit pas de ça. D'accord? Vous avez vos problèmes, vous réglez. Moi, si j'ai un problème avec Didier, j'ai son numéro, je vais l'appeler, vieux père. Voilà, voilà, voilà. Je vais lui dire, que ce soit Yayus, que ce soit Colo, que ce soit mon vieux père maestro, quand il y a quelque chose, j'ai leur numéro, ah, vieux père, voilà, voilà. Hein. Et j'ai dit, si j'ai tort, vieux père, pardon. Si il a tort, il va dire, petit, t'as raison. Je vous tous, je ne vous ai jamais monté de respect. Mais ce que vous avez fait là, c'est blessant. Et je vais vous répéter, c'est votre business. Donc, ne venez pas nous fatiguer que l'association des joueurs. C'est vous-même, votre association. Cherchez un autre nom pour mettre dessus. Parce que ce que vous avez fait, c'est un manque de respect. Je préfère m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Et puis, le Weber Didier, il ne faut même pas lâcher. Même. T'inquiète pas, il ne faut pas lâcher. Tu comprends? Voilà. Dans l'histoire de la fille, là, moi, je te soutiens. D'accord? Tu mérites le parrainage. Maintenant, s'ils ne veulent pas te voter, ça, c'est autre chose. Je ne voulais pas parler parce que moi, je ne vote pas. Quel que soit ce que je vais faire, c'est zéro. D'accord? Que le meilleur gagne. Mais la fille, là, c'est foutaise, vous avez fait. C'est ce que je voulais vous dire. Voilà. Que Dieu vous bénisse et puis, bonne soirée. Au revoir.